fait 8 ans que je fais de la musique à Montréal. Mon style en tant que tel est le hip-hop. Ces derniers temps, j'ai été amené à côtoyer des artistes d'origines diverses. Du coup, ça m'a incité à m'intéresser à d'autres styles de son, tels que la musique salsa et la musique africaine. Je me suis mis dernièrement à la pratique de la percussion. Et comme la percussion est présente dans la plupart des styles de musique, vivant à Montréal, je me suis intéressé à connaître tous les styles de musique qu'on trouve ici. Ça me plonge vraiment comme beaucoup dans ma tradition et puis je me sens vraiment chez moi. Juste voir la percussion, voir les gens danser et puis ça me rappelle beaucoup les souvenirs de l'Afrique. Puis ça fait que je suis vraiment en contact avec l'Afrique comme ce que je viens de dire. Puis c'est vraiment rassembleur. Le fait de voir les gens venir faire ça, ça me donne beaucoup de fait. Ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ce genre d'émotion là parce que c'est fort. Je ne vois pas juste des gens qui veulent, mais je vois une famille. Compliqué dans le sens que Montréal, on sait que c'est, je pourrais dire, c'est un nouveau pays pour, si on veut tenir compte de l'histoire, parce que ça fait quoi, 500 ans, ou 5 siècles que ça existe. Ouais. Donc vraiment, c'est maintenant que ce pays commence à prendre contact avec toutes ces cultures-là. Okay. La preuve en est que même au Québec ici, tu vas aller dans certains coins, ils ne savent même pas c'est quoi la danse africaine. Eux, c'est... ils n'ont jamais vu ça, c'est ça. Beaucoup de monde, même à Montréal. Ouais. Mais déjà, c'est des choses qui commencent à prendre place. Et puis c'est sûr que ça va prendre place parce que c'est pas une musique qui appartient aux Africains ou qui appartient à Montréal. Ça appartient à tout le monde, c'est ça. C'est la percussion, c'est la danse, c'est le corps qui bouge. C'est pas l'ethnie, c'est pas la langue, c'est pas la manière de faire les choses. Mais tout le monde a des bras, a des jambes et puis on sait comment aller amener ces gens à bouger. Okay. Puis c'est ça qui est plus intéressant aussi. J'ai commencé à faire de la danse africaine par curiosité pour le trip d'essayer quelque chose de différent. Puis finalement, je suis tombée en amour avec la musique. Puis j'adore la musique africaine. Et pour moi, c'est une façon de me mettre en forme. Puis c'est vraiment devenu une passion la danse. Puis je danse le plus souvent que je peux, même quand je suis ici. C'est assez simple comme question. C'est vraiment une passion, tout simplement, la musique et la danse. Ça se résume à ça. Bien, l'été dernier, moi, c'est tout récent, j'ai commencé cette année. L'été dernier, j'ai vu les ballets africains, puis je me suis dit, ça a l'air trop fun, faut que je fasse ça. Puis ça a été la révélation, comme disait ma copine, c'est la passion folle, le stress qui se dégage, le défoulement total. C'est pour ça. Ça, c'est populaire et ça fait son chemin, ça s'enracine. Et les gens viennent ici de plus en plus, sachant qu'il y a une continuité et que bien que des fois c'est plus difficile de garder la constance au niveau de cette pratique et l'ensemble des gens qui la pratiquent, c'est vivant. Et puis on espère que ça attirera toujours de plus en plus de gens de l'extérieur à se joindre et à transmettre le plus possible. La musique africaine est la base et la racine de plusieurs styles de musique actuels qui de plus en plus se popularisent ici à Montréal, tels que la salsa. Depuis les années 95, les musiciens cubains ont commencé à prendre leur place ici à Montréal.
tels comme le premier orchestre cubain Trao Guabanero, le grand pianiste Joel Díaz, le chanteur Adam de Dios et sans oublier le grand maître de la musique cubaine Jesús Alejandro El Niño. On a eu la chance de rencontrer M. Josué Sosa qui a eu la chance de vivre l'histoire de la musique cubaine ici à Montréal. Début des années 90, oui, il y avait de la musique latine, mais il n'y avait pas de la musique cubaine. Oui, tu rentrais dans une discothèque, tu vois la musique colombienne, la musique péruvienne, la musique dominicaine, mais il manquait la musique cubaine ici à Montréal. Bonsoir, mesdames et messieurs, ça va? Alors, on est ici pour fêter la fête du Canada, mais le monde est assis. Hein. Le monde est pas mal assis. Dans les années 95, à peu près, il y a eu un grand musicien qui s'appelle Lázaro Leyva. Et Jules Bay, c'est lui qui a eu l'idée de former un groupe, un orchestre cubain ici à Montréal. Ils sont appelés Trabuco Habanero. Lui, là, il s'est chargé, parce qu'ici, on va commencer par là, il y avait des musiciens cubains, oui. Mais tout le monde était séparé. Il n'y avait pas d'union dans la musique. Puis lui, il s'est chargé de chercher ces musiciens cubains pour les réunir à la fin de former un groupe, un orchestre cubain. Le premier groupe cubain, Trao Guabanero, qui s'est présenté à plusieurs reprises dans les festivals à Montréal, a su transmettre la chaleur et l'ambiance de la musique et la danse cubaine au peuple montréalais. Même des fois, on s'en allait dans des places. J'ai une grosse expérience quand on était à Québec. On était là-bas, on allait jouer. Puis quand on est rentré, il y avait à peu près 300 personnes. Et quand je te dis 300 personnes, c'est pour des latinos, c'était tous des Québécois. C'était tous des Québécois. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va arriver ici? Comment ils vont danser, ces gens-là? Une fois que l'orchestre a commencé, là, je commençais à capoter parce que ces gens-là, la façon qu'ils dansaient, ils dansaient comme un cubain, comme un latino. Ça m'a fait capoter, puis j'étais vraiment fier d'apporter notre racine ici au Québec. C'est, avant de rentrer dans la musique, je connaissais des artistes, comme Lázaro Leyva, comme Lisandro, Joël. Je voyais quand ils étaient dans la pratique ou quand ils faisaient des enregistrements, puis ça fait, mais je n'avais pas rentré dans la musique encore. T'sais, moi, je viens d'une famille de musiciens cubains connus, là, mais moi, la musique pour moi, c'était juste danser, faire la fête, parce qu'on aime ça, les Cubains. Mais je dois remercier à une personne que c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde de la musique cubaine ici à Montréal, c'est Jesús Alejandro Niño. Hace 7 años y medio no había lo que hay ahora, la fiebre que hay ahora. Siempre la hubo, pero no este caso. Hay que acreditar el apogeo de la música cubana aquí, yo creo mayormente a Buenavista Social Club, porque definitivamente la película abrió puertas, la película informó a tanta gente acerca de la música cubana. Y el baile siempre existió en Nueva York, el problema del baile, de las academias de baile. Eso, en parte, hay que acreditárselo, diría yo, a la película Dance With Me, donde yo hago parte. Después de eso, hubo una fiebre de baile que no ha parado más nunca. Más bien ha seguido creciendo. Hay muchas academias de baile aquí, a la cual yo le hago música. He hecho unos mambo que es para ellos, que lo identifica a ellos con nombre de la academia, con nombre del maestro, etc. Yeah.
C'est sûr que le tourisme à Cuba, les dernières années, a aidé beaucoup aussi à développer. Le monde allait dans le sud, ils voyaient les gens danser. Ah, j'aimerais ça danser comme ça. Ils reviennent ici. Ça touche toutes les tranches d'âge ou bien ces dernières années, c'est plus jeune ou... Ces dernières années, c'est définitivement plus jeune. Le bras commence avec la gauche. 1, 2, 3, ensemble, en arrière, 5. De quoi? C'est à cause du sud. Ici, on aimerait beaucoup que le soleil reste toujours. Alors, cette danse-là, on l'aime beaucoup. Ça nous fait penser au sud, aux vacances et tout. Et je suis sûre que ça a commencé par les Québécoises en premier, parce qu'ici, au Québec, les filles dansent beaucoup, mais pas les hommes. Mais là, les hommes sont aperçus qu'ils perdaient leurs femmes au profit des Latinos, les gens du sud, qui dansaient beaucoup. Alors, les hommes ont commencé, là, éventuellement, à passer à la danse pour ne pas perdre leurs femmes. Bueno, mira, mami, tu sabes que la suerte es loca, y a cualquiera le toca. Aquí la suerte es loca, y a cualquiera le toca, ahora me toca a mí, y te traigo cosas. Escúchame. Y para disfrutar la música cubana, nada mejor que un buen cafetazo cubano, que algunos prefieren un cervezazo. ¡Salud! Après avoir savouré la musique et les sons des tropiques et Caraïbes, comme le rythme de la musique cubaine, on vous invite à rentrer et explorer la musique orientale avec les Gitans de Sarajevo. Je m'appelle Boris Bartula. Je viens de Sarajevo, de Bosnie, de Ex-Yougoslavie. Je suis arrivé ici, ça fait 10 ans. Et ça fait 8 ans qu'on a commencé à faire la musique gitane ici à Montréal, au Québec, au Canada. Au début, c'était vraiment très difficile parce qu'il n'y avait pas les groupes qui sont joués ce style de musique. On était première qui ont commencé à jouer quelque chose comme ça. Au début, on a pensé vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde joue rock'n'roll, jazz, blues. Parce que tout le monde qui joue avec nous, le Gitan de Sarajevo, on est toutes finies l'école de musique, l'université de musique. On a joué la musique classique. Mais ici, on ne savait pas quoi faire. Hein. Et en fait, on a décidé, on va faire quelque chose que personne ne fait. On a fait la musique gitane et la musique qui vient de l'Europe d'Est, de la musique de Balkan. Je pense que le peuple québécois et québécoises, ils sont très très chaleureux. Ils ont accepté cette musique, ils nous acceptaient vraiment. Partout qu'on joue, il y a beaucoup de monde, tout le monde en bar, tout le monde danse avec nous, chante avec nous. Même ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on chante, mais il y a quelque chose dans cette musique que vous allez voir, que ce soit même les gens ils dansent sur les tables, c'est quelque chose d'incroyable. Dans notre groupe, on a le violon, on a l'accordéon, on a flûte et sax, basse et contrebasse, la percussion et guitare. Et la percussion, c'est quel genre de percussion que... Ça, c'est la percussion qu'on utilise dans la Turquie, dans le Maroc, Algérie, Tarbouk. Ouais. Ou Darbouk, comme on chez nous, on appelle ça Tarabouka. Mais dans. Au Maroc, au Alger, ils appellent ça Darbouk. Il y
y a beaucoup les influences orientales parce que, comme on sait, ex-Yougoslavie et Bosnie, on était occupés par les Turcs, ottomans turcs, pendant 500 ans. Et on est tout mélangé avec les musulmans, les bosniaques, catholiques, serbes. Et c'est normal, après 500 ans, qu'il y a une grande influence de la musique de Turquie, de notre pays. Maintenant, dans ce groupe, on est presque tous bosniaques, oui, excepté notre violoniste. Elle s'appelle Brigitte, elle est québécoise, mais son père, elle est polonais. Et notre bassiste, il est bulgare. Mais on est tous mélangés, malgré la guerre qu'on a vécue pendant 5 ans à Bosnie, parce que c'était très difficile, on a eu une guerre contre 3 religions, contre musulmans, serbes et catholiques. On a quitté notre pays, on est venu ici et on s'est trouvé toute religion encore ici. Et dans ce groupe, le Gitan de Sahel, on est tous encore ensemble. C'est-à-dire que vraiment, dans la musique, il n'y a pas de frontières. Même s'il y avait une guerre terrible, on est tous réunis encore à cause de la musique. C'est une histoire de connaissances, de mélange, non? Mélange de cultures, mélange de connaissances qu'on a vécu chez nous et on est en train de l'exprimer ici à Montréal. Moi aussi. On l'exprime, on a beaucoup d'influences latines, comme lui vient de dire, la salsa, la samba, bossa nova, mais c'est sûr qu'on a une influence américaine aussi. C'est le funk, le rock, des choses qu'on entend bien à l'Amérique du Sud aussi, c'est ça? Mais pour nous, la musique du monde, ici la musique du monde, c'est la musique de notre pays, la musique africaine. Pour nous, la musique du monde, c'est pour de vrai, le rock and roll, par exemple, c'est la musique du monde pour nous. C'est le mélange. Mais aussi, en plus de toutes ces influences, là, on a comme un objectif de réfléchir notre vie quotidienne ici, urbaine, Montréal, Amérique du Nord, c'est pas notre réalité comme immigrant aussi. Comme expresser, c'est qui que nous sommes. C'est sûr qu'on exprime beaucoup aussi de nos origines, parce qu'on a des pièces avec des styles traditionnels vénézuéliens. Là-dedans, on a une chanson que c'est la musique traditionnelle afro-vénézuélienne. Puis ça, on l'a mélangé encore avec des tendances électriques, anglaises, guitare électrique. On a des chansons avec des paroles qui viennent des coutumes traditionnelles vénézuéliennes. Puis tout ça encore, c'est mélangé avec des autres styles de musique. Mais on joue avec ça, d'un côté traditionnel à nous. Et progressif. Thank you.
réaction. La réaction, c'est très bon. Tout le monde danse, tout le monde s'amuse. La réponse est très très bon. Toutes les shows, tous les spectacles sont comme... La réponse est très chaleureuse. Et tout le monde aime la musique. Il y a dans notre groupe un timbalero québécois, un percussionniste québécois. Et lui, il joue toutes les rimes brésiliennes, commence à jouer les rimes afro-caribéennes aussi, et vénézuéliennes quand même. Et lui s'intègre, il joue, c'est une partie fondamentale de notre groupe aussi. Ça, avec musiciens comme ça aussi, ça nous aide à réfléchir aussi la population qui nous regarde, le public, l'audience. C'est une audience mélangée. On ne veut pas comme jouer pour latino, pour québécois, pour exactement. Anglais. On joue pour tout le monde. Pour Montréal. Pour Montréal. Pour le monde. Si on a les chances pour le monde. Oui, on joue pour ce que Montréal est. Si c'est ça, Montréal, c'est le mélange. Ouais, c'est un mélange d'ethnies. C'est pour ça, c'est comme nous. C'est un mélange de styles ethniques. C'est comme on a un québécois, Pascal, le percussionniste. Québécois, ils s'adaptent dans les styles d'ailleurs.